compte qu'autour de nous, nous avons énormément de gens qui de facto pratiquent la relation d'aide, qu'ils soient infirmiers, assistants sociaux, coach de vie, coach en entreprise, qu'ils aient une pastorale, religieuse. Et il y a mille manières d'être dans une relation d'aide avec l'autre. Mais qui est l'autre qui est en face de moi? On s'est rendu compte qu'il y avait énormément de gens qui se destinaient à une pratique de relation d'aide ou qui en avaient déjà une et à qui cruellement manquait toute une série de fondamentaux par rapport à l'humain. Donc ces fondamentaux de la relation d'aide, pour nous, ils sont essentiels. Parce qu'en face de moi, j'ai quand même toujours une vraie personne avec ses questionnements, sa psyché. C'est comme ça que sont nés les fondamentaux de la relation d'aide. Ils sont nés de la réflexion de deux personnages très différents, mais heureusement complémentaires. D'un côté, Charles Sass, analyste freudien, ex-président de l'Association des psychothérapeutes de Belgique, et d'un autre côté, moi-même, Anne Pierrard, directrice d'un institut de programmation neurolinguistique depuis 30 ans, donc au fait des procédures, de la mise en situation, de la mise en application. Heureusement pour nous, ça a marché, sinon on ne serait pas là pour en parler. Deux formations ont déjà eu lieu et une évolution s'est faite de formation en formation parce que cette formation est un processus évolutif. Le fil d'Ariane de cette formation, c'est une cartographie, une exploration d'une part de la psyché de la personne que j'accompagne, d'autre part des interactions qui se jouent entre cette personne et moi, et enfin, c'est aussi une exploration de moi en tant qu'accompagnant. Donc cette formation explore à la fois le processus et les deux protagonistes du processus. Parce que sans ces trois éléments, les fondamentaux ne seraient pas complets.